Bonsoir. Je dis à nous parler ensemble, étape par étape, qui genre ou capable de faire application visa B1BD, ça nous est les visa touristes ou bien visa visiteurs. C'est une application visa qu'on a fait pour une famille, qu'on a tout fait pour nos amis, qu'on va inviter à un moment donné, une famille. Et nous bien dit, application visa, pas une garantie à 100%, alors elle fait demander lui. Yo analyser profil moun nan, pour est-ce que moun sa son moun stable, c'est un deux choses. En fait, et pour faire application ça, documents besoin aussi, des documents basiques. Premièrement, besoin photo moun nan, puisque premier bagay ou pral mande, faut tester photo. Donc, il y a un photo passeport, et puis ou besoin en copie de passeport moun nan, parce qu'on a besoin d'entrer, justement, toute information qui sur passeport moun nan, numéro passeport moun nan, expiré. L'autre information, c'est des informations personnelles, adresse moun nan, côté le rete. Ou besoin connaître tout ou besoin connaître statut mon nom si mon nom varié okay. En fait mariage sont bagages qui toujours important quel que soit bagage qui gagne rapport à l'immigration ok donc je dois bien connaître statut et si le marié ou pas l'objet bah dit à qui est mon nom varié et à qui est-ce marié c'est un deux choses ok maintenant et côté où aller pour faire ça actuellement là dans Google nous capable taper. Et en fait, nous avons tapé Consular Electronic Application Center, en abrégé, c'est Consular Electronic Application Center. Ok, c'est l'in tapé, Manny. Consular Electronic Application Center, c'est l'analyse. Et là-dedans, il y a plusieurs types d'applications. Ça, c'est pour les gens qui viennent ici, qui viennent besoin de résidence. Mais ça, nous besoin de les non-immigrants. Parce que les gens n'ont pas besoin d'immigrer. C'est DS-160. C'est l'in nous cliquer. Voilà. Et puis, des fois, et puis qui ça leur paraît là, ces premières pages-là, on choisit pays qu'on voulait, on choisit comme c'est Haïti, nous mettez Haïti, et puis, on entre code ça qui là, son code du monde pour entrer. Ok, on va entrer code là. Ok, maintenant, avant nous aller, puis devant, avant que nous start application. L'important pour ta tester photo que yo ba ou. Il dit photo mon envoyé ba ou, faut make sure que le bon parce que c'est une application pas le besoin photo a. Donc voilà les tests photo, nous allons cliquer test photo pour nous est-ce que photo a bon. Et là, il demande pour upload photo. Il dit faut une photo a sur computer. En fait, mon n'a qui a le café. Mon n'a rien doit par exemple envoyer photo a pour par email ou bien si ou gain photo a ou rien doit faire photo a ou gain sur WhatsApp ou des gens. Ou bien, on met le computer ou un file pour uploader. Maintenant, pour avoir une photo ça là, bon, on pause, moi, on va mettre photo sur le computer et puis on va uploader pour moi. Est-ce que photo est correct? Ok, bon, on titan, on va faire ça. Ok, qu'on y a moins, fin, mettez photo sur le computer. Donc, moi, on va le choses li dans file. Ok. Mes photos que n'a pas upload. Ok. On a nouveau dit upload pour nous sélectionner photo. D'accord. Maintenant, je vais me barrer nouveau mon nom. Donc, nous avons là les 10 photos à passer test qualité. Photo. Ok. Là, ça laisse nous capable faire continue using this photo. Ok. Maintenant, c'est une fois que nous sommes sûrs que photo nous bon. Là, nous allons rentrer le code pour nous capable start application. D'accord? Nous allons rentrer le code pour nous capable start. So, là, nous finissons notre code, nous start application. Première question, vous m'avez demandé, d'ailleurs, tout bas, numéro d'application. Premier, si vous faites écrit, ça va oublier. Sous tapez 10 pour que vous retrouviez l'option numéro d'application. Premier, ça vous demandé, nous sommes question de sécurité. Vous êtes capable de choisir n'importe quelle question. Ou en lisa, ou choisir une quelconque. Vous avez une question de sécurité. C'est si vous avez une perte à 40 ans. Au cabaret donc nous choisissons ok par exemple là il dit what school did you attend while you were 11 years old what's the given name of your fathers ok nous prenons ça moi-même ok et puis ma bah une réponse quelconque ok c'est la première question de sécurité là. Ok mettez question de sécurité maintenant on va le faire continue pour m'aller dans next page là ok. Voilà. Maintenant, là, nous avons rempli l'application. À gauche, là, il y a toutes questions que nous avons pour nous répondre. Nous avons des personnel questions. Ça veut dire, non, mon nom, first name, last name,
Ça c'est mon si mon a dit l'autre non c'est un des choses ça ici dans mon agité un télécode il y a besoin d'adresse mon Haïti passeport l'information sur passeport il y a besoin d'informations sur voyage tout si mon a voyagé déjà est-ce que mon a voyagé avec un monde c'est un des choses contact côté qu'il a venu aux États-Unis faut qu'on ait adresse côté qu'il a venu et puis les nouvelles dans la famille information là c'est comme quoi il a demandé est-ce qu'il est marié c'est un des choses et est-ce qu'il gagne team famille par bo ici petite et puis on va poser question tout sur éducation qui ça monde ça fait qui travaille que le fait s'il s'est employé ça arrive que mon s'est employé et puis l'autre question aussi sécurité background c'est la question yes ou non puis fort de vous dire yes faut ta dit pour qui ça parce que de vous dire ça pas ta censé pas qu'à bon visa ça veut dire bon bonne question c'est des questions de sécurité donc nous bien dit presque toutes c'est au bac à dire yes d'ailleurs de vous cliquer yes t'as dû expliquer. Ça qu'a clinique vous dire sous bon, mais il faut avoir une explication. Parce que c'est des questions d'éligibilité. Okay? Donc, c'est tout ça, nous voilà ensemble. Donc, nos premières parties, nous allons faire page pour les parties, c'est en anglais personnel là, et l'INAP fait là. Okay? Nous allons mettre nom dans tout le bail. Donc, nous, basically, nous toujours dans la première page là, nous allons mettre nom, notre famille, les mariés, avec des naissances, ce genre de choses. Et puis, nous allons cliquer next, côté que nous allons dans. Personnel 2, ok? Donc, on applique Next pour nous traverser dans Personnel 2. Personnel 2, c'est toujours information personnelle. On finit avec Personnel 1. Là, on demande country of origin. Ça, on fait un big deal, en fait, puisque nous sommes dans la communauté haïtienne. Puis, il faut activité. C'est des gens qui sont en Haïti. On met Haïti. Ça n'a pas supposé un secret. Ok? Je dis, est-ce que mon a une autre nationalité? Puis forcément, non. Avec si mon a, s'il était dominicain avant d'être haïtien, en fait, puis faut haïtien, pas bien l'autre nationalité, ok? Donc, on mettait non. Alors, il est permanent résident, avait demandé, est-ce qu'il était permanent résident déjà dans l'autre pays? Puis forcément, non. À mon côté, au Brésil, où tu es permanent résident, on entre en Haïti, ou bien on était Chili. Ça t'arrive du côté Chili, où tu es quand tu as une résidence, et que on entre en Haïti. Bon, laisse on va mettre yes, on va mettre qui pays? Et puis là, c'est nécessairement, vous pouvez dire, National Identification. On le dit, ou cas, si vous voulez, là, vous devez mettre, ou cas, mettre, carte d'identification, ou bien, carte électorale, vous mettez là, comme ça, tout cas, qui est not apply tout. Ok, si vous n'avez pas de faire carte d'identification nationale, ou, Social Security, nous n'avons pas en Haïti, il pas apply. UXP4, nous-mêmes, nous n'avons pas US Taxpayer, ok? Donc là, on a fait next. Next, on a nous parler d'adresse. Nous parlons d'adresse maintenant gagné en Haïti. D'accord? J'ai encore constaté, tant que n'a pas avancé, n'a pas avancé. Là, nous avons l'adresse. Après, ça n'a pas passeport. Adresse, ça va gagner. On a dit, on a l'adresse maintenant en Haïti. Pas gagné. Expliquer, pays. Il m'a demandé la si mailing adresse ou de si ma si home adresse. Faut souvent, on va aussi te poser des questions. Ça, mais ça, vous comprenez, c'est une question simple. Puis, il faut le monde, par contre, en fait, on dit, puis, il faut le monde qui vivre. Ça ou gen home address kote ap vive, se la ki mailing address yo. Sa le di, gen de moun ki kon gen yon P.O. box, sa son ka difyon. Moun nan gen adres li, men kote le se wa mail li, se pa la ka li. Se non P.O. box, le sa, ou pral di yes, ou pral mette e lot adres ko gen. Men pi fo moun, men kote yo. Haiti, daya Haiti nou pa gen sa men. Moun kompon, tout kote ap vive, nou pa gen kesyon P.O. box la. Donk sa ta vle di ke, de tout fason la se nou la pi, moun kompon, ou non. Is your mailing address the same as your home address? Oh non, on va mettre yes, excusez. Ni même, si vous mettez une autre, on va l'obliger à l'autre là. Et puis, on va mettre le téléphone, ce genre de choses. Voilà, donc, nous allons mettre l'adresse maintenant. OK? Donc, nous finissons avec l'adresse là. Il y a des téléphones, on a Haïti. On a besoin d'un email address. Tout. En fait, ça, c'est email que nous mettons. OK? Donc, on a besoin d'email maintenant parce qu'on a besoin de correspondre avec. De toute façon, il faut provider un email address. Et puis, nous allons aller pour l'autre partie, à côté que vous parlez d'informations, passeport, mon numéro passeport, les passeports ont expiré, ce genre de choses. OK, nous appliquons Next. J'en ai là, là, nous avons un passeport. So, je dis que nous pas sélectionné documentaire. Ça veut dire que c'est régulier, passeport, ce n'est pas diplomatique, ce n'est pas laissé passer, donc c'est un passeport régulier. On va montrer le numéro passeport, ça n'a pas appliqué. Vraiment, qui compte un passeport book number, il n'a pas appliqué. Comment on va qui pas appliqué, là, il va mettre Death Not Apply, OK? Pour autorité qui bail passeport c'est Haïti ville côté passeport est issu nous connaissons plus fort passeport en Haïti c'est pas au prince qui issue ok pour au prince ça arrive qu'ils sont l'autre ville mais nous connaissons plus fort c'est pas au prince
et conduit. Après ça, on a bail et date passeport. Et ça nous relie date d'émission et puis date d'expiration. Après ça, pour une capacité à travailler. En fait, nous allons entrer toute information passeport dans la partie ça. En fait, nous finissons entrer toute information passeport, numéro passeport, date passeport email, date d'expiration. Et entre nous, nous connaissons un passeport haïtien 10 ans, on dit 10 ans, mais plus comme d'où. Et puis, nous allons aller pour travel, quand il y a des questions, si mon interroge est déjà, c'est la même chose, ok? Nous allons cliquer pour travel. Ok, travel, ça veut dire, ça a demandé, il m'a demandé, en fait, dans la partie travel là, il m'a demandé, qui type, qui travel, qui type de classe visa qu'on a besoin. Ok, il y a plusieurs, il y a plusieurs, ok? Et bien, est-ce que nous connaissons fiancé, il m'a demandé non-immigrant visa, parce que fiancé visa, pas dire que son visa permanent. Donc, ça va faire un fiancé visa, c'est DS-160, en fait. En fait, nous, il y a plusieurs types de visa, contrairement à ça, au monde. Il y a, par exemple, il y a un temporary worker visa, nous entendons parler de visa HO. Et il y a un foreign media représentatif, ça, c'est juste comprendre ça, dans travailleur de la presse, hein, deux choses. Il y a un vacationnel non-academy student. Donc, on t'avait dit, il y a pas fort bon visa pour aller prendre un petit coup. Un petit coup cuisine pendant 2 3 semaines, on t'a invité au vin pour l'année. En fait, là même, extra, en fait, nous bien dire, ça c'est pour un monde qui gagne extraordinary ability. En fait, quand visa au bail, sous fort pile, quel que soit le domaine, là, hein, ou des gens qui sont peints, ou sont peints, enragés, ou sont, on comprend, ou sont peints, ou sont participés dans plusieurs concours, c'est un monde qui gagne habilité extraordinaire. Mais gagne visa pour vous, ok? Et cultural exchange, je pense que ça veut dire, exchange culturel, deux choses. Ouais, ça, nous besoin, lui-même, c'est. Justement, c'est ça, Temporary Business Pleasure Visa, les B, la dame gagne B1, B2, en fait, gagne B1, gagne B2, maintenant, prend tous les deux, B1, B2, ça veut dire à la fois pour touristes, venir visiter, il gagne business là-dedans, Visa B1, B2. Maintenant, question, il m'a dit, il faut bailler un intended date, ça veut dire qui date au compté fait voyage ça. On a dit actuellement, là, on est en décembre 2018, généralement, on vient de mettre voyage là non. Dans les 2 prochains mois, mais dans les 3 prochains mois. Parce que là, ce système-là, on peut joindre pour 2 prochains mois, 20 prochains mois, c'est deux choses, ok? Donc, sinon, en décembre, quoi, en tout cas, mettez-le dans les 2 prochains mois, pas un problème. Il n'est pas faut avoir ce système-là, joindre dans même selon semaine, ok? Depends, ok? Ou bien non, semaine. Mais de, par expérience, on peut mettre le bon 2 mois à l'avance, ok? Il ne doit pas tomber exactement, c'est vrai. Donc, on dit, nous, non, je dis à 12 décembre. 12 janvier, bon, mettez-le pour 12, 12 février, ok? Donc, on a les 12, et puis mettez février, peut-être qu'on va mettre le 12 janvier, tout. Mettez le 12 février 2019, voilà. Ça, qu'est-ce qui date ça? C'est date ou intention, ou dire où tu as intention à voyager, ok? Date ou intention, et que pour voyager, à faire visite là. Visite là, capable de plusieurs raisons. Et nous avons visite pour simplement visiter en famille, contrairement à ça, on a pensé. Pourquoi vous demandez visa parce qu'on a une famille quelconque aux États-Unis, ou t'as appelé à le visiter en famille pour nous passer un moment ensemble? Ça est valable, aussi valable que ça, parce que vous pouvez regarder des profils, ok, vous pouvez rouler. Mais bon, ensemble, vous pouvez avoir une certaine priorité, dans le sens que si vous avez une famille, que la famille est mariée, ou bien vous avez gradué, ou bien. En fait, des moments spéciaux, vous comprenez? Des moments spéciaux, c'est deux choses, ok? Mais nous, bien sûr, on doit avoir une lettre d'invitation pour que vous avez bien visité pour aller voyager avec lui, faire connaître le pays, aussi simple que ça. Vous comprenez? Et vous connaissez ça. Nous connaissons des gens qui connaissent une croisade quelconque, l'église, vous avez dit, vous avez même pasteur Sabine Jack, ça, venir participer à un événement quelconque. Donc, vous avez dit, demande visa, pas nécessairement. Nous avons, ou bien en famille, on organise quelconque. D'ailleurs, bon temps, on va se faire qu'il va se trop. On fait trop de temps. Ok, voilà. Donc, nous, ça qui arrive au time out, on fait trop de temps. Parler, à ce moment, on va l'obliger à retourner ce système-là. On dit qu'on va l'obliger à entrer PIA. Et puis, on va entrer code là. On va entrer code KODIA. Code là changé à chaque instant. Et puis, après ça, nous allons cliquer Retrieve. Vous comprenez? Ça y est, Retrieve application. Ça veut dire qu'il faut écrire l'information. Retrieve application, il y a besoin d'application ID et puis il y a besoin.
cinq premières lettres de notre famille, mon nom, last name, mon nom, et puis il y a besoin d'année, mon nom, fait. Dès que vous avez l'information, vous match, et puis on va retourner, on va perdre tout le monde. Ça va arriver, ok? Exactement, nous dit, comment c'est comme ça fait, on prend l'application IDEA, il a posé, il a demandé aux questions secrètes à tout, pour capable de retrouver, ok? Nous allons entrer, nous allons retrouver l'application. Faites une autre question, en fait, nous allons retrouver. Ok, en fait, non, type visa, B, visa bienvenue, date que vous avez intention de voyager, et puis vous avez le temps que vous avez intention de faire. Soit vous mettez 5 mois autoparade, vous comprenez? Mettons 3 mois, pas oublier que vous venez ici légalement, maximum c'est 6 mois, ça veut dire que vous êtes obligé de rester pour 6 mois, non, légalement autorisé. C'est même bon garanti, chaque fois que vous venez, vous faites 5 mois avec quelques jours, vous avez dit, bon, est-ce que vous avez intention de rester dans le pays, parce que vous êtes un résident. Vous avez dit que là, comptez 365 jours. Si vous faites plus fort, 365 jours, c'est important pour mon cabane qui vient ici, dans une frontière, là, il tout petit, il retourne encore. Là, vous contrôlez, il y a plusieurs mounis bloqués comme ça. Parce que théoriquement, qui ça l'a dit, ou pas si vous avez fait plus fort en année aux États-Unis, ça l'a dit. Voilà. Si vous avez quoi faire pour gagner, vous faire n'importe plusieurs, tu vois, écoute. Mais les a compté jours depuis le dépassé. Ou dépasser moitié année, on doit faire long fois, vous comprenez, mais on doit payer des frais. Ça va aller vendre l'officier, on doit faire long fois, simplement dire, ok, ça passe là, ou pas résident. L'ivalable tout pour résident, voilà, Haïti, ça fait 10 ans que nous résidons aux États-Unis, ou pas qu'à l'Haïti, pour aller faire 6 mois. Pour payer des frais 6 mois. Parce qu'on ne peut pas résider à Haïti. C'est presque, même j'ai un tout pour le monde qui réside à Haïti, ok, c'est Haïti, ou qu'on fait tout le temps, ça va supposer faire tout le temps. Plus que 6 mois dans le pays, il y a contrôlé le voyage. Okay? Donc voilà, donc généralement, quand on met 1 mois, ou 3 mois, whatever, 2 mois, quand on met 2 mois, ok, du bon problème, mettez 2 mois, on fait 3 mois, tout. On fait 4 mois, bon, ouais. Mais du coup, on a fait 5 mois, hein, de choses. À moins qu'on ait des explications, que tu capable prouver. Maintenant, adresse, faut by adresse, côté que tu as venu, était aux États-Unis, voilà. Adresse côté web venir, d'accord? Donc, nous allons mettre l'adresse là. Après ça, nous allons aller dans compagnon. Tu avais dit compagnon, c'est moi. Est-ce qu'on va voyager avec mon monde? C'est des choses. Puis, le plus souvent, mon monde va voyager en quel monde a mis non. Donc, basically, vous pouvez demander non adresse sponsor. Là. Ça veut dire si un monde qui a payé pour voyager ou il ne va pas cesser ou qui a payé pour tête ou dire ça, c'est des choses. Et maintenant, on dit qu'il faut mettre dans la tête. Non, le plus souvent, si c'est un monde qui est plus ou moins jeune, dans la vingtaine, trentaine, quarantaine, il est mieux que c'est au pays, peut-être, ou leur monde trop dépendant. Mais si c'est un monde qui est âgé, ou qui comprend qu'ils sont leur monde qui a payé. Comme ça, tout, si c'est une organisation qui a rentré ici, une église, whatever, ça peut arriver que l'organisation, même leur école, décide de payer pour, ils comprennent ça. À ce moment-là, il y a demandé, ça peut être une question là, il dit, Is the address of the party paying for your trip the same as your home address? Le besoin là, non, question à qui ça demande. Est-ce qu'il y a des monde qui a payé pour lui, même adresse qui est home address ou home address ou c'est pas l'adresse qu'on a en Haïti. Donc, vous répondez non, comme ça, vous mettez adresse que vous avez venu, monde qui a payé pour aller là pour dans le cas. On vient dire si c'est un monde qui a payé. Parce que vous te posez une question qui est plus devant, puis vous demandez non, est-ce que c'est vous qui a payé? Si c'est vous-même, vous mettez self, vous mettez c'est vous qui a payé. D'accord? Donc voilà, nous voilà passer notre travel compagnon. Qui peut me dire d'avoir une petite parole au monde que n'a voyagé? Ça va être comme compagnon, c'est une question simple. Est-ce que l'autre monde peut parler? On dit non, qui a voyagé avant, on dit non et vous dit next. Pas grand là-dedans. Maintenant, preview, US Travel, ça aussi simple tout, c'est question à demander si vous avez voyagé déjà. Mais pas avancer au carton pour le monde. Si par exemple, vous êtes ici déjà au déporté, vous dites non, il y a vraiment un finger point. Ok, donc, vous m'envoyez ma matière. Est-ce que tu es US? Non, puis forcément, non. Mais si tu es, have you ever been issued a visa? Non, puis forcément, non. Si c'est vrai, toi, have you ever been refused a visa? Dans le cas, ça, c'est non. Mais nous connaissons des gens qui allaient plusieurs fois. Comme ça, tout comme était oui. C'est des choses. Donc, voilà. Ok? Maintenant, US contact. Non, nous parlons pour next. Ça, au moins, les contacts personnels. Ok, il doit mettre contact monde que vous gagnez. Pas bon ici, Captain, c'est un d'ailleurs qui est sponsor là. Voilà. On va le mettre contact là, on va le mettre qui type de relation que lien avec vous. Si c'est friend, si c'est relatives, ok? On va mettre relative. Adresse of the phone, il y a pas de adresse si c'est relatives, comment si c'est son famille. Voilà. Donc, si c'est
Fine, j'ai toujours dit, on a nommé tes relatives qui sont familles à vous, on va mettre toute information ça. Ensuite, on a dit next, ok? Pour qu'on parle de la famille. Famille qui se demande de son maman, papa, ou ce genre de choses. Une fois mettre information sur relatives, nous allons aller sur next qui c'est famille. Information sur maman, papa, ok? Voilà. Famille, il y a des informations sur maman, papa, il y a des informations sur spouse, spouse, tout mari ou bien madame, ok? Après ça, nous parlons de work education et puis c'est sécurité. Maintenant, les simples informations sur Pragan Abdi, nos moments, date de fait, nous connaissons des gens qui ont droit à changer, ça n'est pas un big deal. Soumis des doesn't know, nous connaissons des gens qui ont des informations, ce genre de choses, mais à plus, ça peut arriver, mais à plus, c'est difficile pour avoir changé nos moments, on capable ou au cas de pas connaître la date de fait, là, ça n'est pas un big deal. Ok, au moins, il faut connaître si l'US citizen, puis il faut essayer de nous comprendre. Et maintenant, ça, mais vous dites ou pas songer, vous pouvez toujours accepter. Mais pour moi, nous ne va pas à moi que vous avez dit ça. Vous êtes adopté, voilà. D'accord? Donc, nous allons prendre ça après ça pour nous traverser dans l'espace. Ok, on entre ça. En fait, nous toujours dans la famille, nous mettons nos mamans, nos papas. Nous disons pas qu'on l'a fait, ni papa, ni maman, on va citizen. Mais d'ailleurs, est-ce que les gens immédiates relatives aux États-Unis, ça immédiate relative là. Immédiate relative, c'est maman ou bien papa, c'est mari ou bien madame, ou bien petit, ou c'est moun sa yo. Sou gen, los Etats-Unis wap diye, sou wap ba informasyon yo, ok? E yo li, metan, li pa, pi kob moun nan pa gen, pi fo, ok? Sa ka rive ki ou gen, wap di li. E metan, sou gen lot relative, tout sa nan gen lot relative la, sa ki ba immédiate relative, tanko, si moun nan ou gon kouzen, ou gon matante, ou gen yon frè, Non, ça n'est pas immédiat relatif, mais c'est relatif, on va dire yes, ok? Donc voilà. Donc nous parlons d'une partie ça qui parle de spouse, qui parle de mari ou bien madame. Bien, nous voilà dans spouse, ça veut dire, il n'y a pas d'informations sur mari ou bien madame, non mari ou non madame, les mari ou fait, ce genre de choses, et puis, compte d'origine, ce genre de choses. Donc, adresse, généralement. Généralement, same as home address. Généralement, avec Dima, généralement, Dima bien même côté à vous. Et puis, après ça, il va poser des questions qui sont faites, et c'est des choses comme activités qui sont étudiées. Et puis, nous presque fini là, d'accord? Ok, on met l'information ça pour nous parler de ça dans le work, education and training. Ok, ça c'est l'information sur Marie et Madame, en fait. Ok, nous sommes battus l'information sur Monsieur Maria, qu'on y a une partie sur Patissa qui va parler. Du travail, éducation, ça a des choses, ok? Appliquer ce parti ça. Ok, non, travail, éducation. Je dis, moun vous sélectionnez primary occupation. Ça veut dire, qui activité, qui, en fait, leur dit primary occupation, qui sont faits comme activité. Ça qui arrive, c'est étudiant, il y en a. Ça qui arrive, qu'ils sont vendeurs, ils sont businessmen, ils sont self-employed. Donc, là, c'est une bonne catégorie pour choisir. Et bagage, c'est des choses, vous taillez, une bonne bagage, vous n'avez pas ok? Si tu es student, vous Sou pa yon nan sa yo, ok? Research, militer, homemaker, a yon moun kap konstruy kay, engineer, culinaire, sou nan food, computer, sa ka yo. Moun gen la mette business, ok? Le fè ke ou nan business, ok? Si yon business ou ye, e lè sa tou, takou, ou moun ki gran moun nan gen la di, li retired, moun nan pa fan anko, ok? Nan ka sa son moun ki retired, ki pa nan anko, e pi nan ni ka lè pou next. Maintenant, where you previously employed? Elle dit, il m'a dit avant de retirer, est-ce qu'elle était employée? Elle est capable de dire yes. Dépendamment des cas. Comment ça, c'est qu'il n'y a pas de travail depuis avant, mais elle dit non. Ok, ça, tout cas différent. Si elle était yes, on va mettre toute l'information de prix et du travail qui était gagné dans le passé. Maintenant, elle vient faire next. Voilà. Ok, maintenant, ça. Non, gain là, c'est que ou gain des questions de sécurité. Puis fort, on ne parle pas tellement si c'est nos tant que là, est-ce que vous avez une maladie qui est capable de communiquer, qui est capable d'avoir un impact sur significant sur santé monde. Tout gain là, car vous êtes. Est-ce que vous avez un problème mental, physique, disorder, ok? So, est-ce que vous avez des explications, ok? F.O. son drug abuse, yon addict de la drogue. Sou di yes, sa ka rive yon sikonsans ou te kon nan drogue ou vin konverti ou fè de tritman. E se wad ba estikasyon, ou bay papi, whatever, ok? No, ok.
Tout ça, c'est background. Have you been arrested? Oui, tout ce background. En fait, on dit, il faut background, c'est si on a un comité, est-ce qu'on fait quoi? Oui, on va dire, il faut, c'est non. Tout background, ok? Ok. Allez. Est-ce qu'on t'a vu un espionnage, par exemple? Ok. Plus encore. Non. 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 Ok, je dis, est-ce qu'on est capable? Have you ever sought to obtain? No background. No. No. C'est ôté. Et puis, il va demander pour upload photo une autre fois encore, ok? D'ailleurs, du coup, il va prendre photo qui gagne, ou gagne lunettes, il va prendre, d'accord? Depuis novembre 2016, ok? Nous voilà upload photo. Donc, nous upload photo, et parce que dans la dernière partie année là, comme nous connaissons, photo a été passé des standards qualité déjà, maintenant, nous allons dire continue using this photo. Et puis, dernière partie, c'est review. Review qui s'allie. On va regarder toute information. On va regarder encore, faire next. Si on va voir ce qui est mal fait, ou corriger, c'est une chose. Mais dans ça, on dit généralement comme activité. Nous bien dit, lorsque mon âgé, il a comprendre que mon n'a pas d'activité, ok? Mais pour un monde qui ou gagne tout sens, ou vous ne pas faire rien, ça va arriver au style bon visa. Ça va dépendre de pour qui raison. Vous comprenez? Vous avez un son artiste, vous avez un nom à quelconque, tout cas différent, voilà. Mais et monde qui est unique, qui n'a pas aucune activité, qui n'a pas fait rien, vous comprenez, juste, il y a des gens qui ont arrêté quand même, ok? Il y a difficile, c'est logique, il y a difficile pour vous parler. Il y a des profils, qui sont à faire à Haïti, c'est une autre chose, c'est toute variable ça. Donc là, nous, ça c'est fini, review. Après review, il y a pas le bon nom, l'application, côté que, en fait, il dit non, mais approuval l'application visa, il dit non, submit l'application visa. Qu'on capable pointe, qu'on capable voyer by mon nom, whatever. Mais pas oublier que ça c'est application pour quoi étape là. Après ça, on va bien pour aller dans un autre website qui est le US Travel Doc. US Travel Doc là, c'est là qu'on parle entre ensemble d'informations. Côté qui va produire un reçu, un receipt number. C'est un receipt number ça que mon a besoin qu'on capable voyer by lui par email, whatever, par ça. Il a besoin à le payer dans Soj Express. Voilà. Une fois qu'elle fait le pays, mais sur le même website, ça n'a beaucoup à le faire, non? Alors, l'autre website qui est le US Travel Log. Et sur le même website, ça, que vous-même avez gagné pour choisir, depuis le fin de pays, pour le payer en vente, bien entendu. Quand vous produit ici, là, eh bien, système-là, vous faites produit ici, là, automatiquement, le fin de pays, système-là a bonne possibilité qu'on y a pour le domaine open, ça veut dire, mais rendez-vous que vous gagnez qui est disponible, ou après, vous cliquez sur une ou choisir. Automatiquement, cliquez sur une ou choisir la bonne confirmation. Il dit, il y a une lettre de confirmation qui dit que rendez-vous là confirmé. Donc, deux éléments fondamentaux que mon avons à lire, c'est l'application visa, ça peut être fait là, okay, avec l'aide de qui confirme que le rendez-vous. C'est l'arrivée, premier service, madame, côté lettre interview, avec des lettres qui bat confirmation que vous avez interview, dit, et deuxième, la petite côté papier qui dit que vous avez fait l'application visa. Okay? Maintenant, l'autre, je dis, de toute façon, on est fort à la passeport, ok? Il a dit trois éléments, ça c'est trois éléments essentiels. Mais toujours est-il qu'il y a des éléments, non pas des facultatifs, qui sont toujours importants, on l'aide d'invitation, soit de famille, soit d'organisation, côté que dit, mais ok, officier, voilà, il y a plusieurs formats de l'aide. Okay, donc, pour une raison pour l'autre, tu as voulu monter à venir, pas ici, pour une fontaine, whatever, pour aller visiter, ou bien pour graduation, pour mariage, pour whatever, parce qu'il y a une croisade. Il y a plusieurs raisons possibles pour faire l'aide là. Comment ça, tu as supposé accompagner l'aide là? Dis non même. Mais ça va lui dire que automatiquement, l'officier a demandé. L'officier n'a pas nécessairement demandé l'aide là. L'officier a toujours demandé confirmation, appointement avec visa ça que nous pouvons faire là. De base ça, et puis tu as demandé même passeport. Même passeport, pourquoi demander? Demander le passeport, c'est si la balle visa. Ok? Donc c'est là. Il y a demandé le passeport, il y a demandé l'offre fréquentée avec des agences de sécurité. Ou identifier pour SSC ou même. Mais en parlant de l'officier, c'est le ici la bon visa là pour demander au passeport. Ok. Demande au passeport, c'est quoi bon tout. D'accord? Donc voilà. Donc, fait ça. Et on dit tout. En fait, nous parlons de lettres. Pour mon marché à lettres là, ça va dépendre de tout. Bon, ensemble de bagages qui sont importants. Mon a supposé marcher à une lettre
qui montre que sponsor la travail, il va aller, il va mentir, voilà. Système ça est comme ça, il faut un bon tabac, il va besoin qu'on ait. Faut aller où tu vives, ok, donc ça veut dire que ça, ou aller avec une lettre de travail, quoi, et dit côté web venir, ou bien paycheck, il y en a là-dedans, pas besoin de tous deux, et puis qui ça encore, ça peut arriver en date du web venir dans un mariage, au moins, ou aller avec un quatre mariages, c'est ça, un élément en plus. Et si vous devez venir pour une graduation, voilà, carte de graduation, si son croisade ou mon cas là en flyers qui montre que croisade la voile produit, ou bien dire dans son festivité de organisation, whatever, voilà, pour qui montre que bah, ça produit. Donc voilà, donc c'est de toute façon ça, que le café dit. Là, on essaie de finir avec causer application visa. Ensuite, nous allons aller dans Travel Doc, c'est là où on va finir faire ce travail-là. Ou créer un account, ok? Et ou créer un account, et puis, pour capable produire, reposer au balayage, ça étape bientôt. On dit vidéo, c'est un peu long, on fait une deuxième vidéo, deuxième partie, on a mis un lien là, l'infel, puis on a mis un lien qui permet, ouais, la deuxième phase à côté que vous pouvez créer un site là pour mon pays, pour fixer rendez-vous, ok? Donc, pour aujourd'hui, on a simplement fait visa. De toute façon, on finit, non? Et c'est review, fini. Avant une review, et puis, dans cette review, regardez ce bagage, et puis, nous, visa application finie. OK? On va retrouver ça. Retrouver les gens, les bagages qui sont simples. Retrouver la vie, ça, et où toujours, même, genre, on mettait, choisi Haïti, et puis, on choisit, on mettait code ça. Et vous dites, retrouver l'application. On va mettre ID, OK? IDA, on va nous IDA, et puis on va mettre 5 premières lettres de notre famille, on va mettre année, en fait, et puis on va mettre question sécurité là. Évidemment, dès que vous faites ça, on va vous trouver. Ok, ma fante pose pour ma. Donc, mes gens, le trouver là, c'est justement, on va prendre regarder tout ça. Si vous avez corrigé, on va cliquer sur Edit, Edit, soit corriger, mais les vidéos, bon, on va faire Next, pour ce qu'on va arriver dans la fin. Dernier parti, le final review, vous demandez pour mettre numéro passeport, vous mettez code ça. Vous demandez au second monde qui assiste. Depuis que vous assistez, vous mettez yes, vous mettez pour tout souffert, vous mettez no. Et puis submit application, et puis confirmation, et vous venez confirmation. C'est confirmation, ça a besoin de point. Vous avez besoin de quoi l'interview, ok? Donc voilà, on fait le dernier parti. Hein? Voilà, et non migrant, visa application, nous finis là. Fini, avait dit. Donc, à pointe li, de toute façon, on conseille pour faire pointe ou gon copie. C'est une chose obligée pointe li pour gon copie. Ou ka email li tout, ba tête tout, ou ka gagne ni, ok? Ou obligé pointe li, parce qu'on a besoin. Maintenant, ça c'est phase 1, on vient dit phase 2A. Ou pour aller sur US Travel Doc pour créer un account et puis rentrer l'autre type d'information, encore passeport, l'âge, maintenant. Il faut un profil. Et puis, même type d'information, type de visa, pose ou presque. Mais pas aussi long que pour visa, mais à poser des questions de catégorie de visa, c'est deux choses. Et puis, à la fin, on va bien pour créer un site. OK? C'est un site, ça, qu'on va voir maintenant pour aller payer dans Soj Express. Et le fin payé, on va pouvoir que courir, monter ce système là encore, là, permettre qu'on y ait accès à différentes disponibilités qui gagnent en termes de rendez-vous. Choisir une. Si vous choisissez une, la bonne confirmation letter, que vous apprenez tout. Et que c'est lui, confirmation letter avec ça, et que mon app apparaît dans l'ambassade là. Et nous disons d'autres documents additionnels. Donc, aujourd'hui, c'est la première vidéo, on a fait vidéo, deuxième vidéo. Et dans la prochaine session, on pourra aller sur Travel Doc pour regarder qui gens sont capables justement fixer les rendez-vous. D'accord? Donc, portez-nous bien, on pourra encore dans le deuxième, côté que nous pourrons fixer les rendez-vous lorsque nous finissons. Application visa, d'accord?